Bonjour à toutes et à tous, c'est le deuxième épisode. Oups, non, faut que je cache les coups. Du tournoi de la Braise 2016 que je viens de finir. Et donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, regardez-la, puisque c'est la première journée. Et au bout de la première journée, j'avais donc à ce moment-là deux victoires en deux parties. Donc, alors sur 69 joueurs, hein, donc j'étais pas du tout le seul à avoir gagné les deux premières parties. En fait, on était 12. Donc 12 en tête du tournoi si vous voulez à ce moment-là. Et le système des appariements fait que on se retrouve automatiquement à chaque ronde contre des joueurs qui ont le même nombre de points que nous. Et du coup là le deuxième jour on avait 3 parties à jouer. Donc toujours des parties de 50 minutes par joueur plus 10 secondes par coup. Donc vous imaginez que ça peut faire 3 parties de 2 heures chacune ou plus dans la journée. Une le matin et de l'après-midi. Et là pour celle du matin, donc la première de ces 3 parties, j'affrontais une joueuse du même club que moi, donc du club de Vendeuvre, donc que je connaissais déjà un tout petit peu. Et vu que c'est pas si longtemps que je suis au club, j'avais pas beaucoup joué contre elle encore. Et donc c'est parti, j'avais les noirs dans ce match au sommet. C4. Donc l'ouverture anglaise. C'est pas un des trucs que je connais le mieux, mais je sais que c'est pas mal de jouer. On peut jouer de façon symétrique et puis ensuite essayer de mettre son fou ici. De jouer aussi, c'était son cavalier ici. Les blancs souvent font à peu près la même chose et les blancs vont jouer D4 après. Éventuellement cavalier ici aussi. Donc pour l'instant j'ai joué symétrique. Je sais plus si on va tomber sur quelque chose de vraiment très symétrique pour l'instant, ou presque, excepté qu'on n'a pas sorti le même cavalier. Ah oui, alors elle met le cavalier ici en D2, il paraît que c'est plus flexible. Donc je rock, elle rock. Et là je me suis dit, bon, elle va jouer D4. Pourquoi ne pas jouer D4 nous-mêmes avant? Et j'ai un peu... D5, pardon. J'ai un peu regretté parce que je me retrouve vite avec un pion isolé. Voilà, mon pion noir est isolé. J'ai pas de moyen d'éviter le pion isolé. Donc, il aurait peut-être été plus prudent de jouer un truc plus sage. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais, mais je vais avoir un peu de mal à le défendre, on va dire. Par exemple, là, elle juste recule un cavalier. Et maintenant, il y a 3 pièces qui attaquent mon pion. Et je vois bien que si je le défends une troisième fois, puisqu'il est défendu que 2 fois, bon, je peux pas l'avancer. Parce qu'il est encore attaqué 3 fois si je l'avance et défendu que 2 fois. Donc si je le défends une troisième fois, comme ça, avec mon fou en E6, eh bien, ça ne marche pas, puisque fou F4 attaque mon... Fou. Ceci dit, si ça doit pouvoir marcher quand même, puisque je reprends avec le pion, donc c'est le pion qui défend. Ah mais non, puisque fou F4 attaque même le pion lui-même. Donc mon pion se fera attaquer une quatrième fois, et là, je peux plus le défendre. Non problème, alors je me suis dit, je vais essayer de créer une contre-attaque en mettant mon fou ici. L'idée, c'est que maintenant... certes, mon pion va attaquer 3 fois, mais elle peut plus le prendre, puisque si elle le prend, le fou n'est plus défendu. Enfin, si elle le prend jusqu'au bout, prend. C'était quoi mon idée? Prend. Non, c'est ça. D'ailleurs, c'était pas un fou, c'était un cavalier. Je prends le cavalier, elle est obligée de le reprendre avec la dame, et donc je récupère une pièce ici. Donc déjà, bien compliqué. Ça va être que des calculs comme ça pendant toute la partie sur est-ce que le pion il peut être pris ou est-ce qu'il peut pas être pris. Donc moi c'est pas du tout une position que j'aime bien. Pas du tout passé un bon moment à calculer ces trucs là. Il y a des gens qui sont peut-être à l'aise avec un pion isolé comme ça, mais voilà, moi j'ai découvert que non. Donc là elle attaque toujours mon pion, elle attaque aussi celui-ci, elle menace d'attaquer avec la tour encore plus. Elle sort de ce clouage. Ceci dit, ce cavalier pour l'instant est plus défendu, donc celui-ci n'attaque plus vraiment. Je décide de mettre mon cavalier ici pour
attaquer à dame et défendre mon pion. Et puis après, je pourrais améliorer mon cavalier en le mettant là un jour. Donc la dame rentre chez elle. Voilà. Et mon cavalier, maintenant, il est dans une belle case. Donc c'est pas si mal, finalement. Mais... psychologiquement... pour l'instant, j'ai toujours mon astuce qui fait qu'il peut pas prendre le pion. Elle peut pas prendre le pion. Mais bon, je suis pas du tout à l'aise dans la position. Elle chasse mon cavalier. Je menace de le mettre là, qui a l'air quand même d'être une menace sérieuse. Ou même de mettre le fou là. Donc, elle joue F3, affaiblissant légèrement la structure de pion autour de son roi. Maintenant, je menace de mettre mon fou là, ou mon cavalier là. Pardon. Et là, bah, elle attaque encore une fois mon pion. Heureusement, comme elle a joué F3, le fou ne fait plus rien. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'elle peut prendre le pion, là? Je sais plus. Prends. Elle peut le prendre, mais j'ai mis ma dame là, parce que comme ça, si elle le prend, je vais finir par clouer son cavalier, et elle va avoir des gros problèmes. Donc, elle l'a pas pris, elle a plutôt joué ça, et ce qui m'embête bien, puisque ça attaque madame par transparence. J'ai madame là. Elle attaque à nouveau. De toute façon, si j'avais mise là, elle l'aurait attaqué aussi. Donc, madame sait plus trop où aller. Et là, elle est sur une case où elle est plus défendue. Pour l'instant, c'est pas un problème, mais ça pourrait le devenir. Et là, je commence, maintenant qu'elle a joué ça, je commence à essayer de trouver des astuces sur cette diagonale. Je remarque aussi que si je chasse son cavalier, je gagne le fou, puisque le cavalier est le seul défenseur du fou. Donc d'abord, je m'occupe de cette menace, je pense, voilà. Et là, j'étais tellement content de mon histoire que j'ai pas cherché à comprendre ce que faisait ce coup. En fait, ce coup, il menace fou B4 qui fait cette enfilade. Et ça, je l'ai même pas vu, alors que c'est très simple. Donc j'ai joué B5, croyant finalement me sortir de ce merdier et croyant gagner une pièce. Je pensais gagner une pièce puisque je fais une menace. Il peut pas aller là, il peut pas aller là. Et s'il va là, le fou est défendu, sauf que je peux venir ici et il y a échec. Donc je gagne le fou. Si elle va là avec le cavalier. Madame vient là, échec. Et au coup suivant, je récupère le fou. Sauf qu'elle n'est pas du tout obligée de tenir compte de la menace, elle peut faire une menace plus forte. Donc c'est ça que j'ai complètement raté. Et là, oups, je vais perdre une tour pour un fou. Mais son cavalier est toujours en prise, alors je continue à avoir de l'espoir. Donc je reprends le fou. Et après, catastrophe, mon cavalier là qui est pas défendu. Donc là, ce pion me fait une fourchette, et en plus, mon cavalier là est pas défendu. Donc là, j'ai cru que j'étais mort. Ceci dit, l'ordi trouve que c'est ok pour les noirs. J'ai cru que mon cavalier était perdu. Et donc, j'ai décidé que quitte à ce qu'il soit perdu, vu que madame est attaquée et que le cavalier n'est pas défendu, quitte à ce qu'il soit perdu, autant prendre un pion. Donc j'ai pris ce pion là. Et en fait, l'astuce ça aurait été, mais que j'ai pas vu, parce que là pour le coup c'est un peu compliqué, ça aurait été de prendre le pion avec le cavalier là. Comme ça, quand elle prend le cavalier, je reviens ici avec mon fou en G7. Et si vous avez bien suivi, c'est moi qui ai une enfilade maintenant. Il y a la dame et il y a la tour. Et puis mon cavalier, puisqu'il est venu en D6. Et en plus, j'ai toujours ce cavalier là qui est que je menace toujours de prendre. Donc grâce à tout ça, en fait, je pouvais récupérer la pièce que je perds. Mais moi, j'ai pas vu, donc j'ai cru que c'était mort.
Et donc après là, bah, j'ai une pièce de retard et puis tout va s'enchaîner très vite. Bon, je retrouve avec un cavalier qui est cloué en plus. Donc le bon, je prends ce cavalier là, mais je perds le mien. Et après, il n'y a rien qui va marcher. Je voulais clouer ce fou là, mais en fait, il est même pas cloué puisque il prend ici avec échec, elle prend ici avec échec. Et après, c'est elle qui ramasse ma tour. Donc là, après, c'était mort. Et là, j'ai abandonné à ce moment-là. Puisque, qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ça? Si je viens là, il y a mat très rapidement. Si je prends, ben voilà, j'ai perdu la dame. Donc, je ne suis pas allé plus loin. J'ai mis fin, j'ai abrégé mes souffrances dans cette partie. Mais en analysant après, c'est vrai que je pensais pas du tout que les noirs étaient encore bien à ce moment-là. Je pensais avoir été mal toute la partie, mais en fait, ça allait. Mais j'ai pas du tout été à l'aise dans cette position-là. Ah, donc ça, c'était la matinée. Donc, dommage, dommage. Et on va passer à l'après-midi. Où cette fois-ci, j'ai les blancs. Ah, j'ai oublié de dire le hello de mon adversaire de la matinée, 1514. Et là, l'après-midi, j'affronte un 1289. Et moi, je suis 1399. Ce qui ne veut rien dire, puisque c'est le classement qui donne initialement quand on s'inscrit, la première fois qu'on s'inscrit à la Fédération française des échecs pour jouer en compétition. Et donc, voilà, j'ai les blancs. Et là, j'ai décidé de jouer E4. Parce que j'ai vu quelques vagues infos sur mon adversaire. Et on m'avait dit qu'il retenait pas trop les subtilités d'ouverture. Donc, j'ai joué une ouverture. Que je connaissais et où je sais qu'il y a pas mal de pièges et c'est très facile de se tromper. Donc en fait c'est l'ouverture écossaise et plus précisément le Gambit écossais. Ça ce serait l'ouverture écossaise standard. Et le Gambit écossais c'est en sacrifice pion là. Mais en fait c'est un sacrifice très provisoire. Donc là il défend le pion, pour l'instant c'est bon. C3. Là, il a décidé de prendre le pion en C3. Ce qui n'est pas un mauvais coup, parce que là cette fois-ci, il y avait vraiment un pion d'avance pour les noirs. Mais faut être prêt à ce qui se passe ensuite. Et ce qui se passe ensuite, c'est fou prend F7. Oh, surprise. L'idée, c'est que quand le roi va reprendre, dame D5, échec, et je récupère ma pièce ici. Et après, je récupère probablement mon pion. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Le roi, comme il s'est mis en E8, je prends sans faire échec. Donc je peux pas tout de suite prendre le pion au coup d'après. En fait, il a joué D6, donc je prends le pion. J'aurais pu tenter pion prend B2, mais alors là, ça devient super risqué. Déjà là, les blancs sont très bien. Enfin là, le roi peut plus roquer. La dame est présente, elle est en train d'ailleurs d'attaquer ce pion. Le roi est complètement exposé. Donc il joue ça pour sortir une pièce et bloquer mon attaque. Très bien. Je cloue le cavalier. Alors là il joue ça, mais moi ça cloue rien du tout, donc ça me dérangeait pas. J'ai juste roqué. Et là il va essayer de roquer à la main, de grand roquer à la main en fait. Il peut plus faire le grand roque puisque son roi, souvenez-vous, a déjà bougé. Il est venu en F7 puis il est reparti en E8. Donc il a besoin de 1, 2, 3 coups pour roquer. Donc la question c'est est-ce que je peux l'embêter suffisamment en moins de 3 coups avant qu'il ait temps de mettre son roi à l'abri. Il a décidé de prendre mon cavalier. Et donc la réponse c'est oui, je l'embête puisque là j'attaque sa dame. Le cavalier là, ben, il est un peu cloué. Donc il doit d'abord s'occuper de sa dame. Et
Et après là j'ai échec. Et en fait l'idée c'est que s'il prend avec le pion, bien sûr mon fou attaque les deux tours. Donc c'est quand même bien que le roi soit encore là et pas là. Donc il a vu ça et il a pas pris mon cavalier. Est-ce qui veut dire que j'ai une pièce d'avance. Il va essayer de la récupérer. Mais d'abord, là j'ai pas trouvé mieux que échanger les dames en fait, forcer l'échange de dames. Si je fais échec ici, ben il se cache. Quoique non, puisque je viens là. Donc si je fais échec ici, qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire? Je vois plus pourquoi j'ai pas fait échec en G4. Parce que, imaginons roi B8. Ah oui, non. Ah oui, voilà, c'est parce que mon fou est pas défendu. Ça a l'air très bien, roi B8, cavalier D7, échec, qui menace la dame quand même. Donc, tour prend D7, dame prend D7, et j'ai gagné une tour contre un cavalier. Le problème, c'est qu'après tout ça, mon fou est pas défendu, donc il récupère une deuxième pièce. Et donc, c'est pas bon pour moi. Je perds du matériel. Deux pièces. Donner deux pièces pour une tour, c'est pas bon. Donc j'ai échangé les dames. Vu que à ce moment précis, j'ai quand même une pièce d'avance. Là, il m'attaque la deuxième. Il m'attaque le fou pour essayer de récupérer une pièce. Mais en fait, je peux jouer juste fou H4. Et s'il prend mon cavalier, bah, j'ai toujours la même menace. Donc il le prend toujours pas. Et en fait, à la place, il menace lui-même de faire une petite fourchette. Mais en calculant un petit peu, on voit que c'est pas du tout un problème. Parce que ma menace est plus forte. Je vais pouvoir mettre une tour ici. Donc, déjà en mettant mon cavalier là, bah je menace ça, je menace de faire échec, et je menace la tour. Donc il joue pas tout de suite cavalier C2, il joue tour F8, et là je me rends compte que si je fais échec, le roi s'en va où il veut, et après j'ai moi-même une belle fourchette. Donc c'est ce que j'ai fait. Il est venu en D7. Après je fais ma fourchette. Et lui fait la fourchette aussi, sauf que je peux m'échapper en faisant échec. Alors est-ce que je le fais tout de suite ou est-ce que je prends d'abord là? Je me suis dit si je prends là, c'est aussi avec échec, donc autant gagner une tour dans l'opération. Parce que si je viens là, qui est très très bien, le roi va bouger et après je vois pas très bien en quoi mon cavalier est utile. Donc de toute façon, autant capturer la tour tout de suite avec le cavalier. Et je peux encore jouer ça puisque le fou défend encore la tour. Là, il m'a aidé. Enfin, je suis déjà complètement gagnant. J'ai combien de pièces d'avance maintenant? J'ai une tour complète d'avance maintenant. Et il est venu là, donc je peux clouer le cavalier et c'est maintenant je gagne maintenant le cavalier. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est complètement fini. Le seul truc à faire attention, c'est le mat du couloir. Pour l'instant, il ne peut pas faire de mat du couloir, alors je prends le pion. Là, je prends le pion avec échec. Là, je fais encore échec. Et après, je force l'échange des tours. Donc, plus de mat du couloir. Je sauve mon fou. Et là, le roi, il va aller tout seul, tout seul sur le bord, enfermé dans ses pions. Donc il va un petit peu accélérer sa propre mort. Là il aurait dû aller là-haut pour résister un peu plus. Mais il a décidé d'en finir. Roi H4 et fou E7 mat. Fou G3 aurait aussi été mat. Donc c'est un joli petit mat. Voilà, donc une partie gagnée grâce à une toute petite préparation, enfin un choix d'ouverture bien ciblé. Donc cette ligne-là, elle n'est pas gagnante pour les blancs, hein. Ça reste compliqué, mais c'est très très difficile à jouer avec les noirs parce que il y a plein d'attaques possibles pour les blancs. Un ordinateur y arriverait, mais
pour nous autres simples humains. On n'a pas envie de tomber dans ces trucs-là, de devoir défendre ça, c'est vraiment pas facile du tout. Alors que moi, ma position, elle est très très simple à jouer. Ok, donc une belle partie. Ce qui fait que sur cette deuxième journée, pour l'instant, sur les trois parties, j'en ai perdu une et j'en ai gagné une. Alors on va voir tout de suite ce qu'a donné la troisième et dernière partie de la journée. Hop, j'avais les noirs. Et je tombe contre quelqu'un de mon club, encore une fois. C'est pas étonnant puisque on était quand même une bonne délégation. Sur les 69 joueurs, il devait y en avoir peut-être 10 de Vendeuvre. D4. Cavalier F6. Donc sur D4, je peux jouer D5, je peux jouer cavalier F6. Et après cavalier F6, C4, il y a plein de choses possibles. Il y a l'Est indienne. Il y a la Nimzo. Il y a ça qui peut être soit une Benoni, soit un Gambit Benko. Donc tout est encore possible. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas encore ce que je vais jouer. Quoique j'ai l'intention de jouer. Si, je pense, je crois me souvenir que j'avais l'intention de jouer une Nimzo. Donc voilà, jouer E6. En Nimzo, ça aurait été s'il joue le cavalier ici. Et donc, on lui met là. Si je joue ça s'appelle une partie Bogo indienne. C'est-à-dire si je l'avais joué de la même façon que s'il avait mis le cavalier. Ou alors, l'autre option, c'est l'ouest indienne. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Au final, il a mis son autre cavalier ici, donc j'ai quand même joué comme une Nimzo au final. Nimzo indienne, donc. C'est devenu une hybride de Nimzo indienne et de ouest indienne, puisque j'ai joué B6. On va dire que c'est une Nimzo indienne, du coup, quand même. Une Nimzo indienne où j'ai joué B6 et je vais mettre mon fou en B7. Bref, on va pas s'attarder sur les noms des ouvertures plus longtemps. Fou F4. Il a envie de mettre le fou à l'extérieur de la chaîne de pions avant de jouer E3 et de préparer son roque. Là, j'aurais pu roquer. J'ai décidé de jouer fou B7 avant. Ça change pas grand-chose là. Donc E3, roque. Cavalier, fou D3. Et donc là, je pouvais sûrement jouer D5 ou C5. J'ai joué D5, il a roqué. Là, j'ai décidé de prendre parce que je veux donner vie à mon fou, bien sûr. Je sais que donc il a roqué de ce côté-là. Mon fou, idéalement, il veut une ligne ouverte. Donc, j'échange ici pour ouvrir la ligne. Sur le long terme, c'est une décision stratégique. Et deuxième décision stratégique, je donne mon fou contre un cavalier pour créer un pion faible ici. Un pion arriéré. Il est arriéré parce qu'il ne veut pas être défendu par d'autres pions. Alors, si jamais il arrive à avancer suffisamment, il pourra peut-être régler son problème. Donc j'attaque tout de suite le pion. C'est toujours bien de faire des coups qui centralise un cavalier tout en créant un petit problème chez l'adversaire. Si vous arrivez à créer un petit problème comme ça à chaque coup, bah, votre adversaire il n'a pas le temps de mettre en œuvre son plan, quel qu'il soit. Il fait que défendre. Je dis pas que j'arrive à le faire, hein, mais. Et là il s'est un peu planté de défendre avec la dame. Est-ce que vous voyez pourquoi? J'ai assez vite vu pourquoi. En fait, j'ai joué le cavalier pour attaquer le pion et le fou. Puisque là, il a quand même l'avantage de la paire de fous. Comme vous avez les deux fous, c'est un avantage lorsque la position s'ouvre en fin de partie. Pour l'instant, elle est relativement fermée encore. Mais elle va pas tarder à s'ouvrir. Donc, j'ai remarqué qu'en jouant ça, je forçais à enlever un des deux fous contre un cavalier. Ou alors il perdait un pion. Donc il défend son pion. Et là en fait je remarque que si je prends le fou, il reprend. Et après je prends le cavalier, il reprend. Il a trois magnifiques pions triplés. Donc c'est ce qui s'est passé.
structure de pions horrible puisqu'ils peuvent pas du tout se défendre les uns les autres. Et en plus, le roi est exposé. J'ai un peu hésité parce que ça peut vite vite me retomber sur la gueule, on va dire. C'est-à-dire que si j'ai le temps de jouer roi H1 et d'activer ses tours sur la colonne G, c'est lui qui m'attaque, vu qu'on a roqué du même côté. Donc tout de suite, je lui pose un problème, j'attaque ce pion. Et là, il a cru qu'il pouvait le défendre en l'avançant. J'avais pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il défende avec la dame. J'avais pas vu qu'il pouvait juste l'avancer. Mais en fait, ça marche pas de l'avancer. Parce que j'ai joué dame G5 qui fait échec. Une fois qu'il bouge le roi, bah, j'ai gagné ce pion. Donc là, il a pas voulu échanger les dames, il a attaqué ma tour. Et je me suis dit, je vais pas échanger les dames. Je veux pas non plus échanger les dames parce que ça réparerait sa structure de pion. Pour l'instant, j'ai un pion d'avance. Ce serait mieux d'avoir plus de concret avant de trop simplifier. Et puis en plus, mon cavalier est pas sorti. Mes deux tours se défendent pas l'une l'autre. Donc je sors mon cavalier et ça défend ma tour qui était attaquée. Là, il menace cette fois-ci de gagner un pion. Donc. Et si madame s'en va, faut pas qu'elle aille n'importe où parce qu'il y a une menace de mat. Donc elle pourrait par exemple aller là. Mais on voit pas très bien l'intérêt, donc je crois que j'ai échangé les dames. Et là il répare donc sa structure de pion. Bon, tant pis. J'ai toujours mon pion d'avance. Et là je joue C5 parce que j'ai pas envie moi de rester avec un pion arriéré. J'étais un peu embêté de est-ce qu'il pouvait jouer D5. Prends, prends, et après il avait un pion passé. Donc j'ai quand même joué C5 parce que je voyais pas trop d'autres plans. Et le pion passé, je pourrais essayer de le bloquer avec le cavalier éventuellement ou le capturer avec une tour. Donc là, il essaye de m'attaquer. Et là, le fou est pas défendu, le pion est pas défendu, donc je menace d'attaquer sur la colonne D. Il n'a pas spécialement répondu à cette menace. Donc là, oui, contre-attaque. Oh, viens, je vais mon cavalier ici. Donc je gagne pas encore de pion, mais c'est une bonne case. Et là, il cloue mon cavalier. C'est pas bien grave puisqu'il est bien défendu. Donc je le décloue tout de suite en activant ma tour. Donc là, il essaye de m'attaquer, mais. Là, ça fait pas trop peur puisqu'il suffit que je joue G6. S'il avait eu un fou des cases noires, c'était pas la même histoire parce qu'il pouvait éventuellement contrôler pas mal de cases. S'il arrive à mettre un fou des cases noires ici, ça devient pénible. Mais là, il peut absolument rien faire. À part, il peut toujours sacrifier une pièce, mais ça marche pas. Donc maintenant, je vais attaquer ce pion. Là, j'attaque celui-ci et j'attaque celui-là. Et j'attaque aussi le fou. Est-ce que je m'assieds d'aller là? C'est peut-être pas une grosse menace, ça. Donc, je gagne un pion. J'avais bien calculé que si je joue tour à 1, avec dans l'idée que mon cavalier serait obligé de s'en aller et qu'il gagne un pion. Et après, il est sur la 7e rangée avec sa tour, donc ça deviendrait quand même un petit peu problématique. Mais en fait, ça ne marche pas puisque tour A1, je peux très bien jouer tour C1, échec. Donc en gros, on force l'échange des tours. Ma tour est défendue par mon cavalier. C'est pour ça que j'ai pris le pion. Donc maintenant, j'ai deux pions d'avance. Il essaye d'attaquer, c'est la seule chose qu'il puisse faire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas jouer tour C1 quand même, pour forcer l'échange d'une paire de tours. Ça donnera déjà beaucoup moins de puissance à son attaque. Donc c'est ce que j'ai fait. On a échangé une paire de tours et maintenant son attaque fait plus du tout peur. J'ai quand même pas trop envie qu'il joue H6 parce que après mon roi a une case de fuite en moins. Donc j'ai empêché H6 en jouant roi G7. Il a échangé des pions, pourquoi pas. Et maintenant, bon, mon cavalier est un peu hors jeu, il va falloir le faire revenir. Et puis peut-être avancer mes pions.
parce que j'ai quand même deux beaux pions passés ailiers. Mais là, il avait son... Ouais, ce coup D5 que j'avais vu et qui m'embêtait un petit peu parce que si je prends... C'est un sacrifice de pion, mais après, il peut jouer tour A4 qui attaque mon cavalier et qui attaque ce pion. Et qui pénètre sur la 7ème rangée. Et donc après... J'ai pas du tout envie que la tour et le fou attaquent ce pion là. En même temps, comment l'éviter? Comment éviter? Et bien en fait, j'ai remarqué qu'on pouvait l'éviter. Parce que après tour point A7, je peux faire ça. Déjà, mon cavalier est revenu défendre ce pion. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'attaque ce pion là aussi. Donc là, il attaque mon cavalier. Alors dit que j'aurais dû pousser mon pion pour défendre le cavalier. Mais moi, j'ai décidé de jouer ça. Donc on a encore échangé des pions. Et là, j'ai... J'ai toujours deux pions d'avance. Et je me suis dit, je vais attaquer le fou qui est pas défendu. Et après, si le fou s'en va, je gagne encore un pion. Donc c'est très bien. En fait, il défend son fou comme ça. Je fais échec. Et je gagne le pion. Problème. Tour B5. Mon pion est attaqué deux fois. Et s'il bouge, ma tour est pas défendue derrière. Donc en fait, il est cloué. Et là, j'ai pas vu de moyen de le sauver. Et en fait, il y avait un moyen. C'est l'ordinateur qui me l'a dit. C'était cavalier E4 qui coupe l'attaque du fou. Avec l'idée que si fou prend cavalier, eh bien, je ne reprends pas tout de suite le fou. Mais d'abord, je fais échec intermédiaire avec tour H5, vu que le fou est là. Il vient de prendre le cavalier là. Échec intermédiaire. Le roi bouge et puis je reprends le fou. Et cette fois-ci, ma tour est bien défendue. Donc là, j'aurais eu 3 pions d'avance. Mais j'ai pas vu ça parce que bah, c'était quand même pas simple. Et j'avais plus beaucoup de temps. D'ailleurs, même avec du temps, je sais pas si je l'aurais vu. Donc j'ai dit, bah, on va échanger. Et là... Une finale avec deux pions d'avance, une finale de tour avec deux pions d'avance, enfin deux pions restants, en plus ce passé est lié, doit être facilement gagnante. Sauf que, en fait, j'avais beaucoup moins de connaissances sur cette finale que ce que je croyais. Moi, je croyais juste que c'était facilement gagnant. Donc, j'avais jamais vraiment étudié. Et puis, en fait. Ah, mais il faut que je masque les coups. En fait, il y a. Il va encore, vous voyez au moins qu'il y a encore beaucoup de coups. Voilà. Donc, allez, c'est parti, je pousse mes pions. Et évidemment, il va faire des échecs tant qu'il peut. J'essaie de voir si je peux pas créer une menace de mat. Mais là, le problème, c'est qu'il fait des échecs sur le côté. Et là, j'avais plus beaucoup de temps et c'était la fin de la troisième partie. Sur les 69 joueurs, toutes les autres parties étaient terminées, il restait plus que nous deux. Donc c'est une partie qui s'éternisait parce que là, ça se finit dans une finale très 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 tendue. Est-ce qu'il peut obtenir la nulle ou non? Donc tout ça pour dire que j'ai pas vu que mon roi pouvait tout simplement revenir là. Et s'il faisait encore échec, il venait là. Et ma tour est parfaitement défendue. Et moi je croyais que je perdais la tour en fait, ou que je perdais un pion. Il échangeait les tours et qu'il gagnait un pion. Si mon roi revenait sur cette rangée. Donc je me suis dit, je suis obligé de zigzaguer. Le problème, c'est que maintenant mon roi est très loin, il peut plus aider. Et là, ce que les blancs auraient dû jouer, c'était juste, par exemple, tour ici, ou bien même tour là, pour bloquer le retour de mon roi. Et là, il avait la nulle. Parce que
Contrairement à ce que je croyais, ce trio ne peut pas progresser sans l'aide du roi. Là, j'ai progressé d'un pas, mais je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Je vais me trouver bloqué dans cette situation. Bon, heureusement, à notre niveau, on est loin de maîtriser ces finales-là qui sont quand même bien compliquées. Donc lui, il savait pas trop non plus qu'il fallait qu'il garde mon roi le plus loin possible. Mais il m'a quand même bien embêté et à chaque fois il menace le pion des deux qui est pas protégé. Donc comment progresser? Et si je me rapproche avec mon roi, il fait échec. Donc là, je tentais de venir avec mon roi là-haut, et puis s'il fait échec ce coup-ci, je vais interposer avec la tour. Mais ils vont remarquer qu'au passage, je sacrifie un pion. Donc en fait, je me suis résigné à dire ben, j'arrive pas à progresser, donc je vais sacrifier un pion pour avoir mon roi bien actif devant mon pion restant et essayer de gagner comme ça. Donc là, il a joué. Là, il a fait une erreur. Il aurait dû jouer roi H2. Et après, apparemment, il avait la nulle. Mais là, il me permet. Peut-être que là encore, roi H2 était bon, d'ailleurs. Mais donc là, voilà, je peux échanger. Et maintenant, mon pion, il va à promotion. Donc là, il a abandonné. Mais si on regarde donc à un moment donné au 74e coup, si on regarde les tables de fin de partie, à partir du début de cette finale, donc c'est gagnant pour les noirs, perdant pour les blancs, gagnant pour les noirs. Alors, je vais faire que les coups noirs, gagnant, 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 gagnant. Parce qu'ici, je suis encore gagnant. Tour G3. Et là, c'est devenu une partie nulle. Donc là, j'ai fait une bêtise, par exemple. Donc, après, on a étudié ensemble avec les pros du club, avec les coachs. Et en fait, il faut pas commencer à avancer un des pions sans être sûr que le reste va pas pouvoir progresser. Et en l'occurrence, le reste peut pas progresser. Parce que évidemment, si ce pion là bouge, boum. Et après, il fait des échecs tout le temps là. Donc là, à ce moment précis, il est parti nul. En jouant bien pour les blancs, bien sûr. Et donc avant aussi, je pense, au moment où mon roi était parti voyager tout là-haut, voilà, les blancs pouvaient faire nul par exemple avec Dame tour A5. Même là j'étais encore gagnant apparemment. Tour A5 faisait nul. Ok. Donc c'est pas tout à fait ce que je disais. Apparemment même si le roi était sur le côté, j'avais encore moyen. Donc là je suis à nul. Là je suis. Voilà, c'est ce coup-là qui était mauvais, ok. Nul, 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 nul. Donc ça veut dire nul théorique en jouant les meilleurs coups des deux côtés. Et c'est seulement là qu'il a laissé échapper la partie nulle. Et qu'il m'a laissé la victoire. Donc là il aurait dû jouer roi H2. Parce que. Après roi H2. Non, c'est pas à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux faire exactement? F3. Et là, l'idée, c'est que dame A4. Et là, il va pouvoir faire des échecs. Des échecs latéraux. Et mon roi, en fait, il a pas de. Merde.
le moyen d'échapper aux échecs latéraux. Parce qu'il y a trop de cases apparemment, d'après ce qu'on expliquait, entre la tour et le roi. Genre si c'était une colonne à côté, ça serait bon. C'est une histoire comme ça, c'est vraiment super compliqué les finales de tour et de pions. Donc moi je croyais qu'avec deux pions d'avance, c'était facilement gagné. En fait c'est le cas, mais il faut savoir la technique. Et la technique c'était que... on avance... Bah, ma tour elle reste... Elle reste loin, elle bloque le roi. Et après la technique c'est d'avancer ce pion là d'abord, ensuite le roi, ensuite ce pion là. Comme ça les deux pions ils restent toujours dans cet ordre là. Celui qui est plus proche du bord en premier. Comme ça le roi il reste caché derrière celui-ci. Et il n'y a pas d'échec possible. Donc là c'est à moi de jouer. Disons... Donc là j'ai envie d'avancer celui-là, puis le roi, puis celui-là. Donc je vais mettre ma tour ici. Qu'est-ce qu'il peut faire exactement à part attendre? J'avance mon pion. Là s'il veut m'empêcher d'avancer mon roi, bah, j'avance mon pion d'abord. Et puis s'il veut m'empêcher d'avancer mon pion, j'avance mon roi d'abord. Et puis au coup suivant je joue ça et après on continue en fait. Et donc il peut pas faire grand chose. Ma tour ici empêche le roi d'accéder. Et elle protège l'avancée du pion. Donc éventuellement il peut tenter des échecs comme ça. Pour le coup, peut-être qu'il faut faire ça. Tour à 8. Et donc là, peut-être ça, c'est peut-être pas bon. C'est pas bon parce que il faut être sûr de pouvoir avancer les 3 quand on avance le premier. Et là, c'est pas clair. C'est pas clair? Pourquoi c'est pas clair? Ah, à cause de roi H4. D'accord. Roi H4 et mon roi ne peut plus rester près de mes pions. Et c'est le sien qui est près de mes pions. Donc là, je peux plus progresser. Ouh, c'est compliqué quand même, hein. Donc là, hop, je vais ça. D'abord chasser son roi. Et maintenant, le roi peut plus venir nous embêter. D'accord. Waouh. La seule différence, c'est qu'il peut plus venir en H4. Dans ce coup-ci, dame H5 n'est plus... Tour H5 n'est plus un problème, puisque après, on va pouvoir avancer soit le roi, puis le pion, soit le pion, puis le roi. Ok, bon, bah, je vais retenir ça pour les prochaines fois. C'est une bonne leçon. Content d'avoir réussi à la gagner quand même, malgré cette très mauvaise technique. Et c'est une partie qui a permis d'apprendre quelque chose. Donc bilan de cette deuxième journée en tout cas. Ça fait 2 parties sur 3 gagnées dans la deuxième journée. Qui s'ajoute aux 2 sur 2 de la première journée. Donc là, à ce moment-là, j'étais à 4 sur 5. 4 sur 5. Et... j'étais pas premier parce qu'il y en avait qui avaient 4,5. Si je me souviens bien. Et donc forcément je suis pas loin de la tête. Ok, ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le compte rendu des parties et cette petite leçon sur les finales de tour plus de pions contre tour. Et on se retrouve très bientôt pour la 3e journée de ce tournoi qui, rappelons-le, faisait 4 journées au total. Merci, salut.